Hey, salut à tous les amis, c'est de la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien, j'en ai écouté ça avec ça, super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un swap, tout simplement un swap Pokémon qu'une abonnée m'a offert. Je sais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de swap avec Mujirachi. Si vous laissez un petit pouce bleu si vous voulez qu'on fasse un swap, peut-être que ça va pas tarder à arriver dans les mois à venir. Du coup mes amis, c'est parti pour s'ouvrir un swap. Donc du coup on l'a mis dans une petite plus grosse caisse parce qu'il y a énormément de cadeaux. Qu'est-ce qu'un swap mes amis? En fait un swap c'est normalement un carton de cadeaux qu'on s'envoie l'un à l'autre avec écoutez, plein de surprises à l'intérieur qu'on s'offre simplement pour se faire plaisir. Voilà. Et du coup il y a une abonnée qui m'a envoyé ça. Donc voilà, il y a énormément de choses à l'intérieur mes amis. Donc c'est parti. Alors on a, alors franchement c'est énorme. On a 1. Donc ça c'est la lettre. 2 3 4 5 6 7 8 9. On a 9 cadeaux. 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 18 cadeaux en tout, mes amis. C'est énorme. Alors, 19 cadeaux en tout. Il y a 19 cadeaux en tout. C'est un truc de fou, voilà. Donc, c'est un peu une version de carte Pokémon fait main. Tout a été fait main, apparemment. Et bien, écoutez, on va savourer ça. Voilà, je suis content de partager ça avec vous. Ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert le swap. Je me suis dit, bah pourquoi pas ouvrir le swap d'une abonnée, tout simplement. Donc, c'est parti. Alors. Tac tac tac, c'est où la lettre? Où est la lettre? Où est la lettre? La lettre est ici, voilà, la lettre. Donc c'est parti, on va lire tout ça, voilà, on va faire écoutez, plaisir à cet abonné tout simplement. Alors oula, alors ça c'est des PS, il y a 4 PS, d'accord. Oh, la lettre est sympa, d'accord, ok. Voici la lettre, c'est parti, je vous la lis. Coucou la ville, je m'appelle Manon et je suis passionné de Pokémon, donc j'ai décidé de t'offrir ce colis. Je t'ai mis plein de cadeaux, j'espère qu'ils te plairont. À toi de découvrir. Pour mes Jirachi, je lui ai mis un booster spécial, c'est écrit dessus et un dessin, et tous les autres sont pour toi. Tu m'excuses, mais je ne lui ai pas mis grand chose, mais ça a pris du temps. Je me doute, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Et je m'excuse encore, je me suis lâché sur le scotch, mais il s'enlève facilement. Et le scotch, je l'ai mis sur des trucs pas très super, mais voilà, bref. Bref, bonne ouverture, mon adresse est sous le post-it, merci de ne pas la montrer, d'accord. Ok. Donc du coup, PS, pourras-tu m'envoyer une photo de vous deux et me la dédicacer? On va voir si c'est possible, je verrai ça avec Mijirachi. PS, est-ce que tu peux m'envoyer des boosters vides? J'en fais la collection. C'est possible, je pense. J'espère que PS2, j'espère que ça te plaira. PS3, question, est-ce que tu as plus de... Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi, les cartes faites main ou celles que tu achètes? PS4, si tu fais pas tout ce que c'est pas grave, merci, bref. Manon, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi entre les cartes que j'achète et les cartes faites main? Bah, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil, j'adore ouvrir vos cartes Pokémon fait main parce que ça me fait de l'interaction simplement avec vous. Et bah, j'apprécie, voilà, je suis content qu'on soit une énorme communauté. Et après, bon, bien sûr, après il y a vraiment les vraies cartes Pokémon que j'adore évidemment, que je collectionne depuis des années et des années. Allez, c'est parti du coup. On a des énormes cadeaux, tu vois, tous les cadeaux sont numérotés. Donc écoutez, c'est parti, il faut trouver le numéro 1. Le numéro 1 est ici. C'est parti avec une petite pochette de tritondes. Ah, j'ai hâte, mes amis. C'est vrai que je regarde mes cheveux depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que j'aille chez le coiffeur. Je vais aller chez le coiffeur dans pas longtemps, mes amis. Vous inquiétez pas. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ma barbe et tous mes cheveux. Mais voilà, vous inquiétez pas. J'irai quand j'aurai envie. Bref. Hein. Allez, c'est parti pour le premier cadeau. Du coup, on va savourer ce swap tous ensemble, mes amis. Ah ouais. Ah ouais, putain. Donc, c'est un énorme booster Pokémon. Carte à jouer et à collectionner. Collection légendaire. 8 cartes supplémentaires. De Hoenn et Kanto. Du coup, on a un énorme booster Pokémon. Donc, je propose qu'on ouvre tous les cadeaux. Et après, si on a plein de boosters, et ben qu'on les ouvre là-haut, tout simplement. Voilà, donc on a un énorme booster Pokémon fait main, juste magnifique. Alors, on va ouvrir le numéro 2 maintenant. Il y a tellement de choses, mes amis, c'est abusé. C'est abusé. Merci à toi, Manon, franchement. Je sais pas quoi te dire à part merci, hein, tout simplement. Alors, 15. Ah, mais il y a un menu aussi, j'avais oublié, il y a le menu. Évidemment, donc le menu, mes amis, c'est tout simplement des indices. Et bah, l'ordre des cadeaux, tout simplement, dans quel ordre faut les ouvrir. Alors. Alors, ok. Des cartes booster. Ok, donc numéro 1, je l'ai ouvert. 2. Des autres cartes, donc c'est un autre booster. Donc normalement, numéro 2, c'est un autre booster. Il est là, le numéro 2. Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. C'est parti. Ah, franchement, ça fait plaisir d'ouvrir des petits cadeaux, mes amis. Puis voilà, si ça fait plaisir à Manon aussi que ça passe en vidéo, moi, ça me fait plaisir. Alors, oh putain, c'est beau. Oh, c'est beau. Regardez ça. Putain, c'est super bien fait. Waouh. Ah ouais, ça c'est pas mal ça, d'accord. Alors, le numéro 3, donc du coup, mes amis, on ouvrira ces boosters en haut. C'est rare, numéro 3, c'est rare. Ah bon? C'est rare. Le numéro 3 est ici. Il y a des petits stickers et tout, oh, c'est génial. Franchement, c'est super bien, il y a des petites attentions et tout, ça fait super plaisir. Tac, 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 tac.
Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de swap avec Mujirachi. Beaucoup le demandent. C'est vrai que bah, c'est quand même un concept phare sur nos chaînes YouTube. Et bah écoutez, peut-être que ça arrivera dans pas longtemps. Voilà, je dis rien, j'en dis pas plus. Alors, par contre, j'arrive pas à ouvrir ton colis. Collection conquête légendaire. Ah d'accord, c'est un espèce de petit booster, d'accord. Et bah écoutez, il y a encore un petit booster avec une collection de conquête légendaire, apparemment. Et bah écoutez, on ira tout ça bah, là-haut, tout simplement. 4. Pour mes Jirachi, ce qu'elle aime. Donc 4, on l'ouvre pas, ça sera pour Miss. Dessin starter O Asino, on l'ouvre pas, c'est pour Miss. Pile ou face, Pokéball. Le numéro 6. Où est le numéro 6? Donc 4 et 5, c'est pour Miss. Tac. Où est le numéro 6? Ah, il est là. Le numéro 6 est ici avec un petit sticker sympathique. Let's go. Tac. C'est vrai que je suis assez choqué, sans vous mentir. C'est super bien fait. Il y a beaucoup d'attention. Alors, jetons collection Pokémon plus mini-livre écrit à l'intercut. C'est quoi ça, intercut? Génial. En fait, il y a plein de petits jetons à l'intérieur. C'est une espèce de boîte avec plein de petits jetons. Et il y a un petit livret. Ah ouais, non, mais là, c'est mini livret, quoi. J'ai même du mal à prendre avec mes doigts. Regardez ça. Il y a un tout petit livre avec plein de petits trucs dedans. What? Ah, c'est si. Ah, c'est un petit Pikachu. Regardez. Ah, c'est super cool. C'est super cool. Alors, géant format. Numéro 7, c'est le géant format. Regardez-moi ça. Énorme petit cadeau. Ça fait plaisir. Let's go. Alors. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ok. Oh, c'est une géante. Oh, c'est une carte Pokémon géante. De Kyogre. Oh, c'est génial. Regardez-moi ça. Waouh. Elle est vraiment bien faite, hein. Elle est vraiment super bien faite. Bravo, hein, franchement. J'ai rien à dire. Écoutez. Bravo, ça fait plaisir. Alors, numéro 8. Du coup, mes amis, je me dépêche un petit peu, tout simplement, parce que j'ai hâte bah, d'aller ouvrir les boosters là-haut, tout simplement. Alors, tout toi. 8, c'est tout moi. D'accord, on va voir ça tout de suite. Et ben, bah, il est là, le 8. Il est là, le 8. Let's go. Alors, on va voir ce que ça donne. Passe du meilleur dresseur. Oh, c'est trop mignon. C'est une petite lettre où il est écrit que je suis le meilleur dresseur, tout simplement. Oh, c'est super mignon. C'est super bien fait. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh, c'est super cool. C'est super bien fait. Franchement, ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait super plaisir. Alors, 9 en promo. What? En promo. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mes amis? Qu'est-ce que c'est que ça? En promo. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Carte promo. Ah! Ok. Alors, c'est une carte qu'elle a fait toute seule, fait main, d'accord. Un petit bon chitrouille, d'accord. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça en fait un petit peu mes amis ce soir, c'est un peu un swap de cartes Pokémon fait main en fait, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc 10 surprises, c'est fragile, d'accord. Donc tac, il y a écrit fragile en gros dessus. Un énorme colis. C'est pas un énorme cadeau du coup. Pourquoi je dis colis? Je sais même pas pourquoi je dis colis. C'est pas grave. Allez. The fuck? Du coup, on a un énorme papier bulle. C'est parti. Franchement, j'ai du mal à comprendre ce que c'est. What? Qu'est-ce que c'est? Bon, moi j'appelle ça de l'art contemporain. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. 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 J'ai pas inventé, je ne sais pas ce que c'est. 11. 3 starters, on en parle beaucoup. Donc, à mon avis, ça va être Brindibou, Hawtaquin et Flamiaou. Je ne sais pas, hein, c'est possible. Après, ça peut être que Salamèche, Carapuce, Bulbizarre. On va voir ça tout de suite. En tout cas, merci Manon, franchement, c'est super cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Brindibou, Hawtaquin, Flamiaou. Et c'est super bien fait. Super. Bon, franchement, merci beaucoup pour tous vos dessins. Un jour, il faudra qu'on vous montre. Voilà.
Faudra qu'on vous montre, on a des énormes classeurs où tous nos dessins sont rangés depuis des années que vous nous avez offert. C'est vrai que maintenant, on reçoit plus trop vos colis parce que on arrête de donner notre adresse, etc. Parce que voilà, on n'a plus trop le temps d'ouvrir tous vos colis, etc. Mais c'est vrai qu'on en a accumulé énormément, on a des milliers de dessins de votre part et ça fait toujours plaisir et ça restera un énorme souvenir pour notre futur. Voilà. Alors, popcorn ou bonbon? Numéro 12, popcorn ou bonbon? Moi, je suis plutôt popcorn. Voilà. Plutôt popcorn que bonbon, j'adore les popcorn. Voilà. Petit popcorn. Voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Non, ça fait longtemps, très longtemps que j'en ai pas mangé de popcorn. Ah, popcorn! Popcorn! Ah, il y a bonbon aussi, d'accord! Attendez, c'est. Ah, d'accord, c'est toi qui as fait le sachet! Oh, c'est génial! Et... Oh, franchement, c'est super sympathique. Elle a créé son propre sachet pour que je puisse ranger mes popcorn ou mes bonbons. D'accord. Oh, c'est super cool. Franchement, c'est super cool. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Alors, 13, trop marrant. Alors, on va voir ça. 13. Où est le 13? Il n'y a pas de 13. 14. Mais il n'y a pas le 13, hein? Si? Ah, il est là! Oh, c'est une petite bonbonne, c'est un petit bonbon. Oh, ça fait plaisir. Du coup, on ouvre comme ça ou pas? Ouais, ok. Oh, c'est génial, c'est génial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Noël, chez les Pokémon, tout le monde a un cadeau et Mouflette a eu un déo XXL. Flobio a eu un château magnifique, il l'appelle Kyogre et il pleut Kyogre, dit Oups, ma capacité spéciale, Pokéblague. Ah, ce sont des blagues! Ok, Pokéblague. Ah, d'accord, j'ai compris. Je viens de comprendre, oui, j'avais pas compris. Oui, Mouflette, c'est un Pokémon comme le, comme l'animal finalement, qui pue, et du coup pour Noël, il a eu un déo XXL. D'accord, ok. Allez, d'accord, fallait comprendre, hein, fallait comprendre. Ok, non, c'est pas mal, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Miroir, dis-moi où est mon autre moitié. 14. Alors ça, je pense savoir ce que c'est. C'est une carte, à mon avis, qu'on doit mettre face au miroir, qui fait tout simplement l'autre partie du Pokémon. Donc on va voir ça tout de suite. Let's go. Utilise le miroir. Ok. Du coup, à mon avis, il y a un bonus à l'intérieur. Donc, on verra ça là aussi. Attends, on a plein de boosters à s'ouvrir. Et du coup, où est la suite? Où est la suite? Où est la suite? Où est le menu? On a perdu le menu. Il est là, le menu. Il est là, le menu. Il est là, le menu. Alors, tête jaune citron. Quoi? C'est quoi, ça? C'est tête jaune citron. Tête jaune citron, d'accord. Ok, tête jaune... Franchement, c'est le swap le plus bizarre que j'ai jamais vu. Mais c'est super mignon. Et ça me fait plaisir d'honorer ce cadeau d'abonné, tout simplement. Alors, tête jaune citron. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Manon, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est un petit Pikachu en pâte à fixe. Ou en mousse. Oh, c'est trop bizarre. T'as jamais vu une texture pareille. Regardez ça. Le petit Pikachu. D'accord. Ok, écoute, maintenant tu m'as assez surpris. Ta 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 ta. Donc là, il y a une petite lettre bonus. Du coup, on va lire sa lettre. Si j'arrive à l'enlever. Il y a trop de scotch. Ok, les gars. La petite lettre bonus. J'ai ouvert. Coche. Brutalibri ou Maganon. Si tu ouvres Brutalibri, regarde cette image. Ou inverse, regarde de l'autre. Ah, d'accord. En fait, assez, maintenant, franchement, assez beaucoup tu vas faire plein de petits bonus. Donc, en fait, il y a plein de petits bonus qui ont été créés selon l'ordre des cadeaux que j'ai ouverts, qu'est-ce que j'ai préféré, etc. Et en fait, elle me pose des questions. Et selon la question, en fait, il y a un Pokémon qui répond, etc. C'est super bien fait. Merci, Manon, en tout cas. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a à ouvrir? On a, tac, 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 on a deux boosters à ouvrir. Ça, c'est le truc du miroir. Alors, j'utilise le miroir. Mais le problème, c'est que ça, je vais le montrer sur Twitter. Le truc du miroir, je l'ai montré sur Twitter, je l'ai déjà montré pour tous les autres ouverteurs de cartes Pokémon fait main. Si t'as pas les me follow sur Twitter. Du coup, on a deux boosters de cartes Pokémon fait main. En fait, je vous propose qu'on les ouvre là, tout simplement. Parce que j'ai envie de rester ici, où il y a tout le swap, etc. Je pense que là, après, je serai plus avec le swap, et du coup, ça sera un petit peu... L'ambiance sera cassée. Donc moi, je préfère le faire comme ça. Voilà. On va regarder son magnifique booster, qui est super bien fait. Et du coup, il y a des cartes Pokémon fait main à l'intérieur, et c'est super bien fait. D'accord, ok. Alors...
Ok, mes amis. Alors déjà, il y a une petite carte Zarbi. Donc les Zarbi, alors ce que vous allez voir, voilà. Les Zarbi, en fait, ce sont des lettres, mais en forme de Pokémon, tout simplement. Du coup, elle m'a fait une petite énigme. D'accord. Alors c'est parti. Pourquoi? Non. Pour... Alors c'est déjà trop dur. C'est déjà trop dur. C'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh. What? C'est trop dur. C'est trop dur. Si vous arrivez à lire, essayez de décrypter. Allez, si vous êtes les meilleurs, décryptez-moi ça. Ah ouais, pour le meilleur. Pour le meilleur. Et pour... Je sais qu'il y a DLP de Manon. De Manon, de Manon. Je sais pas. J'arrive pas à tout décrypter. Mais en tout cas, c'est super bien fait. Du coup, là, on a plein de petites cartes fait main. Elles sont super sympathiques. Je vais vous les montrer. Tac. Alors, on a un petit Elector. Ici, on a un petit Marill. Nous avons Articodin. Donc là, il faudra les relier. On a un petit Fantominus. On a un Sulfura. On a un Méga Rayquaza Shiny. Et on a un petit Tar. Alors, ce que je comprends pas, c'est que c'est les moitiés de Pokémon. Donc, comment ça s'ajoute, je ne sais pas. C'est très bizarre. Rajouter pouce bleu, ça fait plaisir. Ah voilà, du coup on a encore plein de petites cartes. On a encore l'autre partie de Sulfura. On a un Aspicom Meowth, ça c'est n'importe quoi. L'autre partie de Mega Rayquaza Shiny. Nous avons Lugia, Métamorph, Elector, c'est quoi ça, Magnéty et Articodin. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on relie les cartes entre elles. Comme ça, on aura fini ce swap, mes amis. Et voilà, bah c'est super sympathique en tout cas. T'as pris des initiatives et tout. C'est super cool. Alors, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et du coup, il est où l'oiseau légendaire? Il est là. Voilà, on aura relié toutes les cartes. Du coup, on a Elector. Attendez, hop. Elector qui est ici. Oh, c'est super bien fait, franchement. Y a rien à dire, y a rien à dire. On a Sulfura. Et nous avons Articodin qui va être mon préféré. Voilà mes amis, tout simplement. Eh bien écoute, merci Manon. Merci Manon du fond du cœur. Franchement, ça me fait super plaisir. Je suis très touché par ton swap Pokémon. C'est énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a plein de petites attentions. C'est pas comme nos swaps avec Nijirachi, évidemment, bien sûr. Mais je suis très très content. Et voilà. Merci, un énorme merci à Manon. On peut la remercier avec un petit pouce bleu en partageant la vidéo. Voilà. En tout cas, mes amis, j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir d'ouvrir son swap. Il était énorme. Il y a Nijirachi qui aura deux petits cadeaux à ouvrir après la vidéo. Et voilà, on a kiffé, mes amis. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai décidé vraiment de faire plaisir à Manon. Parce que voilà, il y avait beaucoup d'attention, etc. Même dans ses cartons, il y avait plein de choses. C'est super sympathique. Merci à vous pour votre gentillesse. Et bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!